plus de 300 soldats français. En résumé, Johnson dit qu'il lutte contre le communisme au Vietnam. Bon. D'accord. Mais ça prouve donc bien qu'il y a deux formes de communisme. Bah oui. Puisqu'en Europe, il ne lutte pas du tout contre le communisme. Bien au contraire. Il signe des accords avec Moscou. Il invite les nageurs hongrois dans les piscines de Los Angeles. Il invite aussi les violonistes tchèques pour jouer avec le Boston Symphony Orchestra. Il construit des usines en Roumanie et en Pologne. Au tandis que les usines de Hanoï, elles, boum, il les détruit. Au secours, Monsieur Kosygin, au secours. Ça prouve donc bien qu'il y a deux communismes. Un communisme dangereux et un communisme pas dangereux. Un communisme contre lequel Johnson doit lutter et un communisme auquel il tend la main. Allô, Kosygin, c'est toi, ça va? Et pourquoi est-ce qu'il y a un communisme qui n'est plus dangereux? Eh bien parce qu'il a changé. Car les Américains, eux, ils n'ont pas changé du tout, ils restent toujours une puissance impérialiste. Donc, si les Américains n'ont pas changé, c'est forcément les autres qui ont changé. Les Russes et leurs amis. Ils sont devenus des révisionnistes. Et avec cela, les Américains peuvent s'entendre. Tandis que les autres, les vrais communistes, ceux qui n'ont pas changé, ceux-là, il faut absolument leur foutre sur la gueule. Et c'est exactement ce qui se passe au Vietnam. Je suis pour la paix au Vietnam. Ou avec la complicité consciente et inconsciente à la fois des Russes, les Américains... Je suis pour la paix au Vietnam. Lutte contre le vrai communisme, contre la Chine. Ça, c'est une conclusion d'ordre général. Mais, pour le Vietnam en particulier... Au secours! Au secours, Monsieur Kosygin! Monsieur Kosygin! Au secours! Au secours, Monsieur Kosygin! Monsieur Kosygin, au secours! Dépêchez-vous, Monsieur Kosygin! On peut en tirer une conclusion plus précise. Toute guerre progressiste et juste et toute guerre qui fait obstacle au progrès et injuste. Nous autres, communistes, nous luttons contre toutes les guerres injustes qui entravent le progrès. Mais nous ne sommes pas contre les guerres progressistes.